Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon deuxième compte. Donc c'est l'opening numéro 3, je vous avais dit qu'elle arriverait assez vite étant donné que j'avais un cristal 4 étoiles, donc le dernier où j'ai eu Gwenpool, qui était un cristal donné par la fin de l'acte 4, par l'exploration de l'acte 4, donc du coup là maintenant j'ai celui avec les éclats. Je l'ai eu en finissant 2-3 quêtes de l'acte 4, justement en finissant les quêtes des, comment ça s'appelle? Des quêtes maîtres, tout simplement. Enfin, quêtes. Toutes les quêtes d'événements, quoi. Mais même la quête maître, je commence à pouvoir la faire. Enfin, voilà, je vais vous en parler juste après. D'abord, on va faire l'opening et après, je ferai un petit point. Donc, vous voyez qu'il y a un petit peu de trucs, hein, quand même. Il y a 4 cristaux d'arène aussi, ça, j'ai oublié de les acheter. D'ailleurs, je viens de voir que ma loyauté était à plus de 100 000, c'est bien. C'est bien, ça augmente. Donc, bah on est parti, hein. On va ouvrir donc les choses les plus mauvaises en premier, hein. Sachant que j'ai ouvert des cristaux de quête l'autre fois, enfin l'autre fois, je crois que c'était avant-hier, et j'ai eu unité et capsule d'énergie, j'étais assez content. Donc on va ouvrir les cristaux de quête d'alliance, donc là il y en a un, il y en a sept de... Ah ça c'est bien ça, ça c'est très bien. Il y en a sept de quête d'alliance 2. Donc, en espérant avoir des catalyseurs 3 étoiles. Ah, des alphas. Ça, c'est bien. Donc, un petit basique, un autre basique. Un petit peu d'alpha. Et un mutant. Ça, c'est bien également. C'est très bien. Ensuite, cristal de vainqueur de guerre. Donc, aussi, je crois que ma gloire, elle est à 1000, presque 1100. Donc, je vais pouvoir, à la fin de la QA. Donc, ça, c'est bien encore en alpha. À la fin de la QA, je pourrais. Est-ce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est dans le dernier jour, on est presque avant la fin de la QA, et donc il va me manquer quelques gloires pour pouvoir m'acheter un catalyseur basique. Donc du virtuose et du mystique. On a un petit cristal d'or. Ensuite, nous avons les cristaux d'éclats de cristaux. Eh ben c'est bien, je pourrais en ouvrir un autre. C'est cool. Est-ce que je pourrais ouvrir un cristal 3 étoiles? Peut-être. 1650. Ouais, je pourrais en ouvrir un, je crois. Ouais, il y a moyen. Enfin, c'est même pas il y a moyen, c'est je pense que c'est fait en fait. Je pense que c'est bon. 45 unités. Ok. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, on a 8 cristaux héroïques. Donc, on va les ouvrir un par un. Histoire qu'on profite un petit peu quand même, c'est sur le petit compte, donc là c'est quand même plus intéressant. Sur le gros compte, on les ouvre par 10, mais sur le petit compte, on va les ouvrir un par un. Allez, en espérant avoir un meilleur tirage, parce que ces dernières semaines, c'était pas terrible. Ah, ça c'est bien. Voilà, déjà on commence, un nouveau 3 étoiles. Ça c'est bien. Donc Daredevil Netflix, je crois qu'on va arriver aux 40, enfin, à peu près aux 43 étoiles. Je crois pas en avoir une nouveau récemment. Je crois que j'ai. Oui, j'ai doublé Colossus d'ailleurs dans un cristal du jour. Parce que les cristaux du jour, je les ouvre vraiment tous les jours. Hein. Ah, je croyais que ça allait sur Looked, j'ai cru. Je crois qu'il faut que j'en ai 7 des 2 étoiles. Donc faudrait pas que j'ai un autre 3 étoiles. Enfin, faudrait pas. C'est toujours mieux, hein. Toujours mieux d'avoir un 3 étoiles directement. Gamora. Allez, il en reste 5. Allez, on veut du 4 étoiles. Ça pourrait être stylé. Sachant qu'en 4 étoiles, du coup, il me manque que du mystique maintenant. Ça serait magnifique d'avoir un petit mystique. Ah, bien, bien. Bon, du coup, je pourrais pas ouvrir un cristal 3. Mais bon, on en aura eu 2. Et ça, c'est bien. Ça, c'est un éveil. C'est un éveil. Bénédiction de Freya. Très bien. Très, très bien, ça. Très, très cool. Donc deuxième 3 étoiles, c'est bien parce que, enfin, même si on n'a pas de 4, je veux avoir des 3 quand même là-dedans. Parce que c'est vrai que j'en ai pas eu beaucoup récemment. Et Miles Morales, ça aurait été stylé. J'en ai pas eu beaucoup récemment et enfin voilà, ça serait bien quoi. Ça serait bien. Enfin, c'est bien parce que déjà l'opening est fait. Hein, l'opening au niveau des SCH est fait. Sur 8, on a déjà. Enfin, sur 6, on a déjà 2-3 étoiles. Donc c'est très bien. Ah, ok. Ça aurait fait plaisir. Allez, il en reste 2.
Pas forcément du 4, hein, mais au moins, voilà, des 2-3 étoiles, c'est bien. Ça me permet d'avoir un petit peu des claquettes en plus, d'augmenter mon roster, c'est cool. Wolverine, du coup, je pense que je pourrais pas en ouvrir, hein, parce que du coup, j'en aurais eu 6. Et 6, ça fait combien? Ça fait 330. Et je pense qu'il me manquera vraiment très très peu pour en avoir un autre. C'est pas grave, ça sera pour l'opening d'après, oui. Hein. C'est pas grave. Et le dernier, Iron Fist. Donc on a eu Daredevil Netflix en nouveau et on a eu également Thor Jane. Thor Jane 3 étoiles en double. Donc on a eu 55 éclats 4, c'est bien. Et voilà, des éclats 3, mais on peut pas en ouvrir un. Donc voilà, donc c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Donc vous voyez que mes unités également montent en 2500, sachant que mon objectif c'était décembre 3000. On est carrément bien, hein. Enfin fin décembre, hein, j'avais prévu fin 2017 3000 et on va être plutôt vers les 4000. Allez, c'est parti pour le troisième cristal 4 étoiles donc sur mon deuxième compte. Donc le mieux serait un mystique, mais je prends tout. Très franchement, je prends tout parce que ça me fera un défenseur ou un attaquant en plus, quoi. Eh ben je prends Daredevil, c'est stylé, j'aime bien, en plus j'ai pas trop joué avec lui sur mon gros compte, parce que je l'ai eu assez tard, donc c'est bien, je vais pouvoir jouer avec lui, c'est stylé, c'est bien, donc on va le monter un petit peu, je vais pas pouvoir le monter beaucoup non plus, je pense, mais on va voir, hein. On va voir ce qu'on peut le monter, comment on peut le monter, et on va voir. On va voir, de toute façon je le montrerai au maximum dès que je pourrai, hein, de toute façon. Vous êtes habitués, je vous montrerai un peu ce que ça a donné. Donc cette vidéo est vraiment sous le signe du Daredevil. Hein. Vraiment sous le signe du Daredevil. Ok, bon, on peut le monter, génial. Autant le monter alors. Écoutez, on va le monter. Je crois pas que j'ai de virtuose. Ah si, j'en ai un petit peu. Alors, j'ai vendu beaucoup d'ISO hein, pour avoir de l'or et finir de monter mon Diablo R4. Parce que. Enfin, j'ai vendu les ISO, les nuls. Hein. J'ai pas vendu les gros ISO, bien sûr. Hein. Vous vous en doutez bien. J'ai gardé les gros trucs, quoi. J'ai gardé. En gros, je garde à partir du niveau 3. Tout le niveau 2 qui n'est pas de classe, donc tout le niveau 1 et 2 basique, je le vends. Tout le reste, je le garde, hein, bien sûr. Enfin, là, vous voyez que, du coup, ça, c'est les nouveaux arrivants, ça. Mais bon, ça va me permettre de monter un peu. Enfin, de les monter. Niveau 15. C'est bien, ça augmente mon roster. C'est cool. C'est pas un truc exceptionnel, mais c'est bien. C'est bien, ça augmente mon roster. Sachant que j'avais pas forcément de besoin particulier, mis à part un mystique qui aurait été bien. Mais bon, j'ai Vaudou doublé, donc à la limite, c'est pas trop grave. Vaudou doublé en 3 étoiles, il fait quand même bien le taf. Donc, non, j'avais pas forcément besoin d'autre chose en fait. Donc voilà. Là maintenant, les 4 étoiles, c'est vraiment juste. Pas pour le fun, mais c'est vraiment pour augmenter mon roster. Il y a plus de comment dire, de volonté particulière, on va dire. Alors attendez, là, il y a mieux à faire, et avec le 75. Voilà, je vais pas pouvoir le monter rang 3, enfin, je vais pouvoir au niveau des catalyseurs, je pense. Voilà, c'est ça, mais je peux pas au niveau de l'or. Mais c'est pas grave, je le montrerai dès que je pourrai. Je le montrerai dès que je pourrai, voilà, je le montrerai, je vous montrerai à la prochaine vidéo d'opening, hein, de toute façon, que je l'ai monté. Et du coup, en 3 étoiles, du coup, on va regarder, on va faire un petit point. On va faire un petit point au niveau des 3 étoiles, donc j'en ai 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42. Ok, 42. Je sais pas si j'en ai eu des nouveaux, hein. Je sais pas, là, si vous voyez des nouveaux que j'avais pas avant. Enfin, je crois pas, étant donné que j'ouvre tous mes cristaux avec vous, donc voilà. Mais en tout cas, je vais, oui aussi, fallait que je vous dise, je commence à avancer les quêtes maîtres. Donc là pour l'instant, je suis dans le challenge de Thor là, du nouveau film Thor, enfin le challenge du Grand Master de Jeff Goldblum.
Mais je vais commencer les 4 mètres, je vais essayer d'avancer un max. Je pense que je vais faire le chapitre 1, peut-être le 2, mais je parle à 100%. Hein. Le 1, c'est sûr, enfin, c'est sûr. J'ai testé la première quête, ça va, je m'en tire bien. La deuxième quête, je pense que ça va le faire. Et après, bah, je vais essayer d'avancer de toute façon. Hein. Mais le problème, c'est voilà, que comme j'ai pas parade et que j'ai pas des grosses maîtrises, même si sur mon gros compte, j'arrive à le faire avec des R3, j'ai quand même les maîtrises qui vont avec. Là, j'ai pas forcément les maîtrises qui vont avec. Donc, c'est moins avantageant. Mais je vais essayer d'avancer un max pour avoir des éclats, tout simplement. Voilà, des éclats 4 et des éclats 5 pour vous faire un maximum de. Un maximum de vidéos de 4 étoiles et pour augmenter mon compte tout simplement. Et vous voyez que donc dans l'acte 5, j'augmente bien. C'est comme ça en fait que j'ai réussi à avoir mes cristaux 4. Enfin, les derniers éclats qui me manquaient. C'est grâce à ces quêtes, j'ai terminé les 3 premières quêtes. Enfin, la Dr. Strange, j'avais terminé avant, mais Ant-Man et Iron Man supérieur, c'est comme ça. Mais voilà, je vais continuer comme ça à augmenter ce petit acte 4. Ça va se faire très très lentement, hein, mais ça va se faire. Mais voilà, en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter pour me donner votre avis sur mon tirage. Et sur ce, je vous souhaite un bon jeu, une bonne journée à tous. Et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos sur mon deuxième compte, mais également sur mon gros, donc avec des openings, des présentations et de l'acte 5. Voilà, allez, salut, à la prochaine.